Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à Auch. À Auch, dans le pays gascon, non loin de chez nous. Loupine est impatient. Ouais, il est boosté à fond hein, ce matin. Oh là 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 là. Alors, on vous souhaite une bonne vidéo. Très et bon. Puis, on se retrouve à la fin. Allez, on va marcher un petit peu. Enfin, on se retrouve dans la vidéo et à la fin. Ouais. À plus les amis. À plus. Nous partons de chez nous pour aller à Auch et Pat vous dit... En route ! Elle, c'est Val. Et lui, c'est Pat. À bord de notre Sprinter Sweet Dreamer. Et avec notre petit chien, Loupami. Nous aimons les voyages et les découvertes. En France, mais aussi à l'étranger. Nous avons plaisir de vous partager nos escapades. Alors, embarquement immédiat et... En route ! Alors, voici l'escalier monumental de la ville de Auch. C'est un emblème pour la ville. Ça relie la ville nouvelle à la ville ancienne. Il date de 1863. Et d'en haut, on peut y voir une super vue de la ville et de la vallée du Gers. Alors, allons-y. Friends will come. Friends will go, they all seem to change, while I'm still the same, cause I just can't let go, and there's no one to blame, it's just... Voici la statue du célèbre Gascon d'Artagnan. Cette statue fut réalisée par Firmin Michelet en 1930. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone, I'll be here for... Derrière moi, vous apercevez la tour d'Armagnac, haute de 40 mètres. Elle fut construite au XIVe siècle. Autrefois, c'était une prison. Aujourd'hui, c'est un musée. Consacré aux textiles et objets religieux. Lovers come, lovers go, and their hearts seem to change, but mine still... Sur cette terrasse se trouve depuis 91 une sculpture en fonte réalisée par l'artiste catalan Jaume Planza. Le texte latin gravé sur la plaque est extrait de la Bible, l'épisode du déluge, la seconde partie, l'abri possible. I still love them all, and my heart's not to blame. Nous arrivons à la cathédrale Sainte-Marie. Sa construction a duré 100 ans et s'est terminée en 1680, ce qui explique les différents styles renaissance et gothique. Les deux tours qu'il y a à l'avant et que je vous montrerai tout à l'heure sont hautes de 44 mètres. Allez, on va voir si elle est ouverte. Thank you.
the way it is. Like stone, I'm motionless in this world of stories. Oh, like stone. Et maintenant, après l'effort, le réconfort, une petite pause s'impose. Pause. Petite pause. Sandwich. Au soleil de Hoche. Ouais, franchement, trop belle journée aujourd'hui. Ouais, on a de la chance. Ouais, c'est une top, super journée. Ouais. Bon, dans l'ombre, ça pique. Mais au soleil, c'est bon. Voilà, au pied de la tour. Voilà, la tour est là. La tour au pied est de là. La tour. La Shabbadi, voilà. Shabbada. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Lovers come, lovers go, and their hearts seem to change, but mine is still the same, 'cause I still love them all, and my heart's not to blame, it's just the way it is. Like stars in this world of stories, oh, like stone, I'm fixed in a framework that is moving beyond my control. Like stone, I'm motionless in this world of stories. Alors, ce passage, ce sont les poterles, les poternes, en fait, ruelles médiévales, qui amènent à l'enceinte de la ville et qui permettaient autrefois aux habitants de se réfugier sur la colline et de s'approvisionner en eau à la rivière dont le cours était plus proche. On en compte 5 à Hoche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. On espère que vous appréciez les vidéos de notre région en attendant le grand voyage début avril, je vous le rappelle. N'oubliez pas de commenter. La semaine prochaine, on fera quoi ? On tirera au sort. On tirera au sort un commentaire pour faire gagner une carte postale de Hoche et peut-être un sticker si la personne ne l'a pas encore eu. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Ben, liker. Liker, c'est dit. Partager. Partager. Commenter. Et commenter. On vous souhaite... Non, avant, j'ai quelque chose à dire. Si vous avez quelque chose à faire, là, actuellement, ou si vous avez une petite pâte de prête, le four à pain, il est prêt. Oui, on va vous montrer ça, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Car aujourd'hui, on est à Lupiac, et Lupiac, c'est le village... De D'Artagnan. D'Artagnan, on va croiser le fer. Alors, on vous dit à samedi prochain. Et puis, quoi que vous fassiez, faites-le toujours bien. Ciao, ciao, ciao. Bye. Et un pour tous. Et tous pour un. Yes.